ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. La suite de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit durant la séance dernière qu'il a eu comme révélation Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, lié au nom de ton Seigneur, et Ya ayyuha al-muddathir, après une période de calme de 6 mois pour préparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette grande mission. Il a fallu 6 mois. Pour qu'il s'habitue aux premiers événements qui lui est arrivé quand il a vu l'ange Jibril, alayhi salam. Après ça, il n'y avait pas de vraie confrontation entre les païens, entre les mouchriquins, les associateurs de Quraysh et le prophète, sallallahu alayhi salam. Au début, ils ne s'en prenaient pas directement à lui. Ce n'est qu'après qu'il a commencé à insulter leur divinité, de dire que leur façon de vivre est insensée, de dire que leurs idoles, ils ne méritent pas qu'on les adore, de leurs coutumes, ils tiennent sur rien. C'est à partir de ça que les associateurs commençaient à s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont allés voir Abd al-Muttalib. Ils sont allés le voir et lui ont dit, regarde le fils de ton frère, regarde ce qu'il dit de notre divinité, regarde, il s'en prend à notre divinité, à nos coutumes, à notre façon de faire. Il dit qu'on n'a pas de principe et qu'il s'en prenait directement à leur pratique ancestrale. Là, Abu Talib, il a essayé quoi de les congédier avec quelques paroles conciliantes. Là, ils sont partis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand même, il a continué à prêcher, il a continué à dire que leur façon de vivre n'a pas de base, elle est insensée, et qu'il faut qu'ils suivent la vraie religion, qu'il faut qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, et qu'il faut qu'ils se désavouent de leur divinité. Là, ils sont revenus voir Abu Talib une deuxième fois. Alors là, ils lui ont dit, oh Abu Talib, tu détiens parmi nous un rang élevé. On sait qu'Abu Talib, c'est lui qui a la lignée la plus noble. Bien sûr, la lignée d'Abu Talib, il va jusqu'à Ismaïl, alayhi salam. Et qu'il est respecté, qu'il est le fils d'Abd al-Muttalib, et qu'il est très respecté à la Mecque. Là, ils sont allés le voir, ils lui ont dit, bon, tu détiens un rang élevé, nous t'avons déjà demandé de freiner les agissements, les activités de ton neveu. Maintenant, ou bien tu te désavoues de lui et tu dis que tu n'es plus son protecteur, ou bien là, on va vous combattre tous les deux. C'est-à-dire Abu Talib, son fils, et tout le clan de Hashim, de Bani Hashim. Ou bien tu freines les activités de ton neveu, ou bien tu auras de grands problèmes. Alors là, Abu Talib, il était gêné. Il a appelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ta tribu, il s'est plaint de tes agissements. Il prétend que tu les persécutes avec ta prédication. Et il lui a dit, ne m'impose pas quelque chose que je ne peux pas supporter. Essaye de trouver une solution, parce qu'ils ont dit, voilà que tu insultes leur divinité, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une réponse. C'est une réponse qui est célèbre. On peut tenir considération de cette réponse. Une réponse que beaucoup d'historiens l'évoquent. Il a dit, je le jure par Allah, quand même il mettrait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, pour qu'en retour j'abandonne cette cause, je ne l'abandonnerai pas avant qu'il l'ait fait triompher ou que je sois mort pour elle. Hein? Il est connu cette version.
On peut prendre en considération cette version, bien qu'elle n'est pas authentique, elle n'a pas été authentifiée par les grands savants. Il y a une autre version qui est authentique, celle qui est rapportée par Abu Ya'la et Tabarani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, je n'ai pas le pouvoir d'abandonner cette cause, ou je n'ai pas le pouvoir d'abandonner ce pourquoi j'ai été envoyé, comme l'un de vous n'a pas le pouvoir de prendre du soleil une flamme. Il leur a dit, est-ce que quelqu'un parmi nous peut aller jusqu'au soleil et prendre une flamme de feu? De même, pareil, moi je ne peux pas laisser cette mission. La grandeur de la révélation, la grandeur de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Aqil ibn Abi Talib. Là, Abu Talib le rappela et lui dit, fils de mon frère, va et dis ce que tu veux, car par Allah, jamais et à aucun prix, je ne t'abandonnerai. Même Abu Talib, dans le coffre, il a dit, je te protégerai. Ta cause, elle est juste, elle est bonne, je te protégerai. Même dans la... Pour vous dire quoi, l'honneur des Arabes, comment ils défendent leur fierté et leur du moment que la cause elle est bonne, même si le... Et de même, les fils de Abd al-Muttalib, ils ont dit au professeur Asselin, même si tu insultes nos divinités, on va te protéger. Al-Hamiya, ce qu'on appelle Hamiyat al-Jahiliya. On est des hommes, nous. On ne va pas les laisser te toucher, te malmener ou te persécuter. On va aussi t'aider, on va te soutenir. Et alors là, cette protection, elle a servi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a servi dans sa prédication. Il prêcha publiquement, sallallahu alayhi wa sallam, dans les marchés, à côté de Kaaba, partout, sans hésitation. Il bénéficie de cette protection qui est inviolable parce qu'il savait, le Quraysh disait, il savait qu'Abu Talib, quand il dit une parole, quand il dit je protégerai telle personne ou je le prends comme voisin et tout, ça y est, c'est une parole, il ne revient pas sur sa parole, surtout pour un hachimite. Là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêcha publiquement et tout, Les mécréants de Quraysh, ils sont venus troisième fois voir Abu Talib et lui ont fait une proposition. Ils lui ont dit, Abu Talib, ton neveu, il insulte nos divinités qui sont tes divinités. Il prend en dérision nos coutumes qui sont tes coutumes. Là, on a une solution. Ils ont ramené un jeune homme robuste, très beau, d'une lignée héréditaire noble, il s'appelle Amar ibn al-Walid. Ils lui ont dit, tiens, on te donne Amar ibn al-Walid, tu le prends comme ton fils, et tu nous donnes Muhammad. On te donne Amar ibn al-Walid, il est beau, il est robuste, il a les qualités d'un homme et tout, et toi, en échange, tu nous donnes Muhammad, on fait de lui ce qu'on veut. Il a dit, quelle mauvaise proposition. Vous me donnez votre enfant pour que je l'éduque et je le chérisse, et je vous donne mon propre enfant pour que vous le tuiez. Quelle proposition. Il n'en sera jamais ici. Là, ils sont retournés. Entre-temps, il t'a un conseil pour essayer de déterminer une politique commune, si vous voulez. En face de ce grand trouble, surtout que la situation commence à s'aggraver, et il va encore davantage s'aggraver quand les pèlerins vont venir. Et s'ils viennent, ils vont rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il est connu dans tout le sanctuaire, il est connu à la Mecque que c'est un homme digne de confiance, et qu'on lui fait confiance dès qu'il parle, et que ses paroles, ils attirent les gens et tout. Donc c'est une situation assez dure pour eux. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les notables se sont réunis et ils envoyèrent au professeur Asselem Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, l'un des grands chefs de Makhzoum, l'un des grands chefs de la Mecque, de la tribu de Makhzoum. Dans une version de la sirah du prophète, c'est Utba ibn Rabi'a, mais la version la plus proche, la plus célèbre, c'est celle de l'Walid ibn al-Mughira. Ils envoyèrent l'Walid ibn al-Mughira au professeur. Il le rencontre. Hein? Il lui dit, oh Mohammed, pourquoi tout ce différent? Tu as divisé notre communauté.
Peux-tu insulter nos pères, dire leur façon de vivre est insensée, outrager nos dieux? Pourquoi tout ce différent? Pourquoi toute cette division? Il faut nous réunir. Là, si vraiment cette chose qui t'a poussé à dire ceci, il a un rapport avec une maladie, où il demande, il exige un médecin, on va appeler le plus grand médecin de la région, même de l'extérieur de la Mecque. On ramène, on va ramasser de l'argent et on te ramène l'un des plus grands médecins. Et si cette chose, si le but de cette cause, c'est la richesse, nous rassemblerons pour toi une telle fortune, puisant dans nos sources, que tu seras le plus riche d'entre nous. Et si le but de cette mission ou de ce que tu fais, si le but c'est les honneurs, si c'est les honneurs qui t'attirent, nous te ferons de toi notre Sayyid, Sayyid Mecca, suzerain de la Mecque. On ne fait aucune décision sans prendre ton conseil, sans prendre en considération ton conseil. Et si alors, si c'est la royauté, on te fera de toi notre roi. Tu seras le roi de la Mecque. Et si c'est les femmes, on choisira les plus belles femmes, les femmes que tu désires. Regarde jusqu'à quel point ils étaient irrités par la mission du professeur Hassan. Donc ils ont voulu l'acheter, si vous voulez. Donc et le professeur Hassan, il sait que c'est une parole, c'est insensé. Ça. Ils vont la mission, ils vont le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le vont. La révélation qui pèse plus lourd que les cieux et la terre. Rien qu'une parole du Coran, elle pèse plus lourd que les cieux et la terre. Même le professeur Hassan, il l'écoute quand même. Il écoute Adab al-Hawar, la règle du dialogue. Même si la personne qui est en face de toi, il dit n'importe quoi, tu le laisses parler jusqu'à ce qu'il termine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a laissé jusqu'à ce qu'il a terminé. Il lui a dit, Al-Walid, tu as fini? Il a dit maintenant, écoute-moi. Écoute-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien ajouté sauf les versets du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم C'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés, un Coran arabe pour des gens qui savent, annonciateurs et avertisseurs. Mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent pas. Et ils dirent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes. Et entre nous et toi, il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agissons du nôtre. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, cherchez le droit chemin vers lui. Et implorer son pardon et malheur aux associateurs. Il n'y a pas plus fort que ces paroles, il n'y a pas plus éloquent, il n'y a pas plus beau que des réponses. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien à ajouter. Al-Walid se fait emporter par ces paroles-là. L'éloquence, la beauté de la langue arabe, et les mots de la révélation, ils coulèrent sur. Ses oreilles, il était très attiré. Et le professeur sallam, il continue à réciter le Coran jusqu'au verset فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَدْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappe Ad et Thamoud. Je vous ai averti
une foudre. Là, Al-Walid, il s'est levé et il a mis sa main dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, arrête, arrête. Il a eu peur qu'il soit atteint par cette foudre. La parole, il est, ce qu'il entend, c'est de la vérité. Il n'y a que de la vérité. Et il le sait. Et il a été tellement envoyé par ces paroles qu'il s'est levé et il dit, Nashattuk Allah wa rahim, Nashattuk Allah wa rahim. Je t'implore le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et le lien du sang. Je t'implore le droit d'Allah et le lien du sang. Arrête, arrête. Jusqu'à quel point il a été attiré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué jusqu'à le verset de la prosternation, puis il s'est prosterné. Puis il ajouta, c'est ce que j'ai à dire. Quand il a terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ce que j'ai à dire. Vraiment, il a été tellement envahi par la beauté de ses paroles que quand il est rentré au club des Quraysh, à l'endroit où se réunissent les kuffars de Quraysh, ils l'ont vu avec un visage, ils lui ont dit, oh là là, cette personne, il est parti avec un visage, il est revenu avec un autre visage. Les expressions de son visage, ils ont changé. Puis, quand il est arrivé, il leur a dit une parole qui est très connue dans les livres de Sira, « Inna li qawlihi la halawa, wa inna alayhi la talawa, wa inna a'lahu la musnar. » وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقْ وَإِنَّهُ لَيَعْلُوْ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ. Il a dit, il y a de la douceur dans ses paroles, il y a de la beauté dans ses paroles, il y a de l'éloquence, et personne ne peut faire pareil, inimitable. إِنَّهُ لَيَعْلُوْ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ. Alors là, subhanallah, regardez, le défi du Coran, c'est dans l'éloquence, c'est dans la langue arabe. Les Arabes, ils sont connus, on a déjà parlé de ça, on a déjà parlé dans les cours précédents, que l'habitude des Quraysh, c'était quoi? Quand ils ont des nouveau-nés, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent les nourrissons à des nourrices qui sont de l'extérieur de la Mecque, pour les allaiter, et pour qu'ils vivent à l'extérieur de la Mecque. Pourquoi? Parce qu'à la Mecque, il y a les pèlerins qui viennent, et quand ils viennent, ils se mélangent avec les enfants, et alors les enfants, ils perdent de leur éloquence. Ils perdent, c'est-à-dire que leur langue, elle va être entachée par la langue des autres tribus. Alors pour préserver ça, ils donnent leurs enfants, ils donnent leurs nourrissons à des nourrices qui vivent à l'extérieur. Et c'était l'occasion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Halim al-Sa'diya qui l'a allaité, et même lui, il se vante. Il dit, je suis le plus éloquent des Arabes, j'ai vécu chez les Bani Sa'd. Hein? Parce qu'il a appris cette éloquence chez les Bani Sa'd, chez Fatima al-Sa'diya. D'accord? Alors le défi, c'était la langue arabe. Ils sont connus par les poèmes, ils sont connus par les bonnes paroles. Du moment où quelqu'un se trompe et tout, il n'a aucune valeur chez les Qurayshites. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a défiés par leur propre langue. Lisan arabi. Lisan, inna anzalna qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Nous l'avons révélé, un Coran en langue arabe, pour les défier. Parce que pourquoi? Si vous lisez le Coran, si les histoires des prophètes qui sont avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il défie chaque communauté par la chose où elle est célèbre, par la chose où elle est réputée, par une chose, il les défie par leur propre, par exemple, c'est le peuple de Bani Israël, de Isa alayhi salam, ils sont connus par la médecine. Ils sont connus par la médecine, c'est-à-dire eux, le médecin, c'est le plus noble pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés, il les a envoyés, Isa alayhi salam, avec les miracles qui défient les médecins. وجئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله et je guéris l'aveugle-né et je guéris le lépreux par la permission d'Allah. C'est un défi.
Parce que eux, malgré leur civilisation, malgré ils ont atteint un rang dans le domaine de la médecine, ils ne peuvent pas guérir l'aveugle né, ils ne peuvent pas guérir le lépreux. Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés un prophète, leur a envoyé un prophète qui les défie par leur propre pratique, leur propre métier. Moussa alayhi salam, c'était quoi? Ils sont connus par comment ils sont connus dans quoi? La sorcellerie, la magie. Sahar. Ah, Sahara, c'est eux qui ont un degré de noblesse et tout. Ils sont les plus proches de Pharaon et tout. Et Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala les a défis par leur propre pratique. C'était la sorcellerie. Le bâton qui se transforma en serpent et qui dévore tous ce qu'ils ont fait, la main qui est blanche et étincelante et tout. Donc il les a défiés par les choses dont ils sont célèbres. Là, les Arabes, ils ne sont pas réputés dans ce genre de choses. Ils sont réputés dans l'éloquence, l'arabe pur. Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Si vous êtes dans le doute dans ce qu'on a révélé à notre prophète, ramenez une sourate pareille que celle du Coran. Am yaquluna iftara, ils disent qu'il l'a inventé. Qul fa'tu bi suratin mithlih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ramenez une sourate pareille que celle qui est dans le Coran et appelez tous ceux que vous connaissez qu'ils vous aideront. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Même si les djinns et les humains ils se réunissent pour faire pareil à ce livre, au Coran, ils ne peuvent jamais le faire, même s'ils sont très d'entre eux. Le défi était dans l'éloquence. Ils ont dit, oh Walid qui est venu, il leur a rapporté ce qu'il a entendu. L'Walid, ils ont dit, tu as tourné le dos, sabat, c'est-à-dire, tu as changé de religion. Il a dit, non, par Allah, je n'ai pas apostasié votre religion, non. Mais c'est d'une grande éloquence. Ils ont dit, c'est de la poésie. Il a dit, je connais la poésie, je connais les poètes, je connais les règles, les règles de la poésie. C'est pas de la poésie. Ils ont dit, il est kahin. Ça veut dire devin. Devin, il a dit non, je connais les devins, je connais leurs agissements, je connais leur feu, leur méthode de faire, non, c'est pas un devin. Il est sorcier alors, ils ont dit. Non, il n'est pas sorcier, il leur a répondu. Puis après, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire alors? Il n'est pas un devin, il n'est pas poète, il n'est pas sorcier, il n'est pas. Il n'envoûte pas les gens, donc on va dire quoi de lui alors dans ce cas? Il a dit, moi je vous conseille, je vous donne un conseil sage. Vous le suivez, ça c'est un moyen. Vous le suivez, une solution. Vous le suivez parce que sa cause est juste. Regarde le témoignage de sa cause est juste, vous le suivez. Ils ont dit non, on ne va pas le suivre. Il a dit donc, dans ce cas, ne vous opposez pas à lui. Laissez-le faire, laissez-le agir. Ne vous opposez pas entre lui et les gens. S'il a eu le dessus sur les Arabes, alors sa souveraineté sera la vôtre. Sa fierté sera la vôtre. Si jamais les Arabes l'abattent ou le tuent, vous en serez débarrassé par les mains d'autrui. Donc c'est une proposition sage. Ils ont dit non. On ne le laisse pas, on lui barre le chemin, on ne le suit pas. Regarde les kuffars, subhanallah. Là, ils ont dit nous voulons une autre solution. Là, après réflexion, qu'est-ce qu'on va dire? Il n'est pas sorcier. « Oma huwa bisahir » Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu ni fou, par exemple, ils ont dit aussi, il est peut-être fou, il a dit, il est fou aussi, ils disent pas une parole. Wa qalu ya ayyuha alladhi nuzzila alayka alzikr,
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Oh, celui à qui est descendu ce zikr, ce livre, t'es un fou. Toutes les accusations se trouvent dans le Coran. Sahir, majnoun, sha'ir, wa ma huwa bi qawli sha'ir, qalilan ma tadhakkaroun. Il n'est pas la parole d'un poète. Là, il n'est pas sorcier, mais il a au moins un point commun avec les sorciers. Là, ils se réunissent et tout. Quelle est l'étiquette qu'on va coller à cette personne? Sorcier, il a dit. Il a un point commun avec les sorciers. Il a un point commun avec les sorciers. Les sorciers, ils divisent. Ils divisent la communauté. Ils séparent entre le mari et sa femme. Ils séparent entre l'enfant et son père, entre le père et son enfant. Alors là, on va dire qu'il est sorcier. Voilà, c'est un sorcier qui est grave. Il faut mettre les gens en garde contre lui et tout. C'est un sorcier. Puis Walid ibn al-Mughira, il a dit, c'est lui qui les a aidés à accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sorcier. Regarde, après qu'il est venu pour guider, pour faire da'wah au Quraysh, quand il leur a dit de suivre le prophète parce que sa cause est juste, il tourna le dos. À la fin, il tourna le dos et il a dit, moi je suis de la religion de Quraysh et celui-là c'est un sorcier. Allah subhanahu wa ta'ala, là c'est très important parce que je l'ai dit au début de la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on comprend, quand on lit la sirah du prophète, on comprend bien le Coran. On ne peut comprendre le Coran que si on lit la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé les versets suivants. Dharni wa man khalaqtu wahida, wa ja'altu lahu malan mamduda, wa banina shuhuda, wa mahadtu lahu tamhida, thumma yatma'u an azid. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Seul, ça s'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul et à qui j'ai donné des biens étendus. Et parlant de Walid ibn al-Mughira et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté, wa mahadtu lahu tamhida. Cependant, il convoite de moi que je lui donne davantage. Thumma yatma'u an azid, kalla, pas du tout, car il renie nos versets avec entêtement. Innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu su'uda, je vais le contraindre à gravir une pente, c'est-à-dire je vais le faire souffrir. Innahu fakkara wa qaddar. Il a réfléchi et il a décidé. Il a réfléchi après avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a décidé. Une mauvaise décision. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. Qu'il périsse comme il a décidé. Son malheur, que la malédiction tombe sur lui à cause de ce qu'il a décidé. Qu'il périsse comme il a décidé. إِنَّهُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Thumma nazar. Ensuite, il a regardé. Thumma abasa wa basar. Et il s'est renfrogné et a durci son visage. Regarde la description, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il nous montre son comportement avec éloquence avec elle. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. Il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Ensuite, puis il a dit, فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Puis il a dit, ceci n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Et Allah il répond, Sa'uslihi saqar. Je vais le brûler dans le feu intense de saqar. Quelqu'un qui, la vérité devant ses yeux, il a entendu la vérité, il a entendu la parole d'Allah, il a témoigné que c'est la vérité, que c'est la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam est juste, et après il tourne le dos,
celui-là, il mérite vraiment Sakar, le feu intense. Ils acceptèrent, les Quraysh, de bon gré, ce conseil. C'est le fait d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sahir, de sorcier. Bon, ils ont utilisé tous les moyens, y compris, ils ont décidé de placer à l'extérieur de la Mecque des gens, à l'extérieur, surtout dans les chemins qui conduisent à la Mecque, des gens qui, à chaque fois que quelqu'un de l'extérieur de la Mecque rentre à la Mecque, ils les mettent en garde contre le prophète sallam, méfiez-vous, il y a un sorcier dans ce sanctuaire, méfiez-vous de lui et tout, il va vous envoûter, il va vous attirer et tout, c'est un dangereux sorcier. Mais le prophète sallam, il a continué sa mission, il a continué sa prédication. Un jour, alors que quelques chefs quraïchites s'étaient rassemblés dans le Hijr, on sait que le Hijr il est à l'extérieur, c'est un arc, avant il était à l'intérieur de la Kaaba. Les quraïchites, ils sont réunis à l'extérieur. Alors pendant qu'ils se parlaient et tout, ils se disent qu'ils ne peuvent plus supporter cette cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent plus supporter le fait de prendre en dérision leurs idoles, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparu et qu'il est allé au coin oriental, al-Rukn Yamani, le coin yéménite, et qu'il fait tawaf. Dès qu'il a fait tawaf, il s'est approché de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors là, ils levèrent le ton et ils lancèrent à son endroit des injures, des insultes, et tout ce qu'ils peuvent trouver de mauvais, quoi. Des propos très injurieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté, il n'a pas répondu, il a fait le premier tawaf, le deuxième tawaf, la même chose, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il patiente, puis là, au troisième tawaf, quand il proférait leurs insultes, lors du troisième passage du professeur sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêta et les interpella ainsi. Il a dit, « Oh Quraysh, m'écoutez-vous, et là, ils ont dressé leurs oreilles, en vérité, par celui qui tient mon âme entre ses mains, je vous apporte le massacre. Défi, direct. Professeur sallam. Ya ma'ashar Quraysh, atasma'oun, innama j'i'tukum bizzabh. Ça, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été faible. Comme homme, il n'a jamais été faible. Il a été dans des situations de faiblesse, différence. Il a vécu des situations où il n'y avait pas beaucoup d'adeptes, pas beaucoup d'armes. Mais lui-même, comme homme, jamais il était faible. D'accord? Donc quand on témoigne, quand on dit « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah », c'est-à-dire le prophète, c'est-à-dire la personnalité, lui-même. Parce qu'il y a des gens qui témoignent. Le prophète, il est envoyé d'Allah, mais ils réduisent notre prophète bien-aimé à quelqu'un de mou, à quelqu'un qui baisse la tête devant les mécréants. On va, dans la sirah du prophète, on va vraiment encore avoir beaucoup de leçons sur la vraie personnalité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Menace claire. Alors là, quand il vraiment... Ils ont entendu ce qu'a dit le professeur sallam. Ces paroles, ils les saisirent au point qu'aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent quoi? Personne ne parla. Jusqu'à ce que l'un d'eux, qui s'était montré le plus acharné, il remplit le silence et baissa le ton avec de douces paroles qu'il a pu trouver. Le plus acharné, celui qui insultait le professeur sallam, dans ces situations, dans cette atmosphère tendue et que tout le monde n'a pas réagi, il a rempli le silence, il a dit « Oh Abul Qasim !» Maintenant c'est la politesse. « Oh Abul Qasim, suis ton chemin, tu n'as jamais été ignorant. » Abul Qasim, insarif rasidan. Le professeur sallam est parti. Là le répit, il a envoyé le Quraysh. Comment ça se fait? Il a suffi qu'il lui dise un mot. J'ai tout comme bizarre.
Je vous ai ramené le massacre et vous baissez les mains et tout. Et nous qui étions vraiment décidés à le malmener, à le séquestrer, comment on n'est pas des hommes? Comment ça se fait qu'il dit un mot que personne ne réponde? Là, le lendemain, ils l'ont attendu. Ils ont attendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont attendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut et ils se jetèrent sur lui. Les coups commencent à pleuvoir, ils commencent à le frapper sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui disent, « Antel le tuhvidna bidzabh, tu nous menaces de massacre, tu nous menaces de massacre. Maintenant tu nous menaces, c'est toi qui dis ça, c'est toi qui prends en dérision nos idoles. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit les coups, il dit, « Oui, c'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis ça. » Jusqu'à ce que Fatima sorti, il a vu toute la troupe sur son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a voulu défendre son prophète, mais c'est une femme, il n'a pas pu. Et puis il a couru chez le demander secours chez qui? Chez Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr, il est venu en courant, il est rentré dans la foule, il tapait, il frappait, et lui, il frappe jusqu'à ce qu'il a sorti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit une parole qui est connue dans la sira, « Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah » Vous tuez quelqu'un qui dit comme mon Seigneur, c'est Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a failli s'évanouir à cause de ces coups-là. Là, les efforts ont été doublés pour étouffer cette mission du prophète sallam. Cette version, ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmad et il est sahih. An Abdullah ibn Amr. Le texte que j'ai rapporté. Alors le prophète sallam, malgré ça, malgré les hostilités des mécréants envers lui, il est resté quand même indulgent et endurant, il patiente et tout. Et alors là, un jour, Abu Jahl, il passa à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il passa à côté de lui. Abu Jahl, il a eu ce nom parce qu'à l'origine, il s'appelait Abu al-Hakam. C'est un makhzoumite. Il s'appelle Abu al-Hakam. Et c'est les musulmans qui l'ont appelé Abu Jahl, c'est-à-dire le contraire de l'homme sensé. Ils l'ont appelé l'homme insensé, Abu Jahl. Il était Abu al-Hakam, il est devenu Abu Jahl. Alors là, il se met à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met debout devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, il se met à lancer des injures envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que, parce que déjà Abu Jahl, et déjà il a voulu avant être l'un des notables, des grands notables de Quraysh et tout. Donc pour montrer sa valeur et tout, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lancé des injures, il a couvert le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'injures, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est contenté de regarder, il n'a pas répondu à une insulte, jusqu'à ce que Abu Jahl a vidé son répertoire d'insultes. Et là, une esclave de Bani de Abdullah ibn Jud'an, une esclave, il a vu toute la scène. Vous connaissez Abdullah ibn Jud'an, on a parlé de lui dans Hilf al-Fudul, dans l'alliance de l'Fudul, à réviser. Il fut témoin de cette scène. Il fut témoin de cette scène. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que Hamza, et Hamza n'était pas encore rentré en islam. Hamza, il revenait de chasse. Il fait la chasse. Et il avait l'habitude, à chaque fois qu'il rentrait de la chasse, il passe là où se réunissent les Quraysh, puis il leur dit, voilà ce que j'ai fait, et il leur raconte ses aventures. Et il rapporte qu'il a une force, il est très robuste, il est fort, qu'il chasse même les lions. Il rapporte dans les siyar, dans les livres d'histoire. L'esclave, El Baran Suma Hamza, elle lui a dit, « Oh Abu Omara, si tu as vu comment Abu Jahl insultait et offensait ton neveu, sans que celui-ci assis posément ne proféra un mot jusqu'à son départ. » Elle a dit ça à Hamza. Elle a dit, « Regarde, Abu Jahl, il a couvert ton neveu d'insultes et tout. » Et Hamza lui a dit, « Quelqu'un a répondu, quelqu'un a dit quelque chose ?» Il a dit, quelqu'un l'a vu, il a dit, tout le monde l'a vu, les Quraysh, tout le monde l'a vu, personne n'a répondu. Alors là, Hamza fut scandalisé.
comment personne n'a défendu son neveu, comment et tout, il a couru directement chez les Quraysh. Abu Jahl était assis, puis Hamza, il a pris l'arc et il a asséné d'un coup la tête d'Abu Jahl, jusqu'à ce que le sang a giclé de sa tête, jusqu'à ce qu'il soit blessé. Il lui a dit, en le blessant, il l'a blessé gravement, il lui a dit, l'insulteras-tu, maintenant que je suis de sa religion, atasubbuhu wa ana ala dine, Hamza, il a dit, atasubbuhu wa ana ala dine, qui ose me combattre? Qui est parmi vous un homme qui peut me combattre? Là, les Makhzoumites, ils ont eu la fierté, les Arabes, ils sont connus. Ils se levèrent et puis Abu Jahl, il leur a dit, asseyez-vous, parce que laissez Abu Omar, parce que j'ai vraiment insulté son neveu. Là, l'atmosphère s'est apaisée et Hamza, il est rentré chez lui, puis il a dit, dès qu'il s'est calmé, il s'est dit, j'ai dit une phrase s'est échappée de sa langue. Une phrase, atasubbuhu wa ana ala dini, l'insulteras-tu, alors que je suis de sa religion? Mais il n'est pas de sa religion. Elle est sortie. Elle s'est échappée de sa langue sans vraiment la contrôler. Hamza, il s'est vengé. Mais il a dit une parole qui s'est échappée de sa langue. Lui-même, il dit, je ne sais pas comment il est sorti de cette parole, comment ces mots sont sortis de ma langue, comment cette parole s'est échappée. Atasubbuhu wa ana ala dine, l'insulteras-tu alors que je suis de sa religion? Mais Hamza, il n'est pas de la religion, n'a pas encore embrassé l'islam. Là, il est resté tourmenté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne le lendemain dire au Quraysh, excusez-moi, je ne suis pas de sa religion. Ça ne convient pas pour un hachimite. Les hachimites sont fiers. Qu'est-ce qu'il fait? Ou il embrasse l'islam? Mais il n'est pas convaincu. Il était dans une tourmente. Toute la nuit, il est resté comme ça. Puis après, il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit, إن كان خيرا فاجعل تصديقه في قلبي. Si c'est du bien dans ce que j'ai dit, alors mets dans mon cœur la croyance à ton prophète. Si c'est autre chose, sors-moi de ce piège. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a raffermi son cœur et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, أشهدُ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réjoui de que son oncle Hamza radiallahu anhu embrasse l'islam. Subhanallah, regarde, faltat lisan, une phrase qui s'est échappée. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait rentrer dans sa miséricorde. Là, c'est l'islam de Hamza radiallahu anhu. Là, on va parler de quelqu'un d'autre qui a embrassé de l'islam, mais lui, il est de l'extérieur de la Mecque. Nous, on a dit, ceux qui sont convertis les premiers, ils sont de l'intérieur de Mecca. Mais là, une personne de l'extérieur, et même certains rapporteurs de Sira, ils disent que c'est la cinquième personne qui a embrassé l'islam. C'est Abu Dharr al-Ghafari, radiyallahu anhu. Abu Dharr, il n'est pas Qurayshite. Il fait partie d'une tribu, Qabilat Ghafar. Il est au nord-ouest de Mecca. Nord-ouest de Mecca, proche de la mer Rouge. Et Qabilat Ghafar, la tribu de Ghafar, ils sont très connus dans le banditisme. Ils sont des bandits de grand chemin. La majorité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala regarde, du mauvais, il sort le bien. Excepté Abu Dharr, lui, il cherche la vérité. Il cherche la vérité. Il a entendu parler d'un homme qui se dit que c'est un prophète et qu'il ramène la parole d'Allah, etc. Il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Abu Dharr, il est parti avec son frère et sa mère à la Mecque. Mais ils ont campé à l'extérieur de la Mecque. Ils ont dressé une tente à l'extérieur de la Mecque. En ce moment-là,
en ce moment-là, les Quraysh, ils ont dressé, ils ont émis des lois. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Ils ont émis des lois, c'est que personne à l'intérieur de la Mecque ne parle à une personne de l'extérieur de la Mecque sur le sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas de discussion sur l'islam. Liberté d'expression, plus de liberté d'expression. Tu parles de tout, du commerce, de tout ce que tu veux, mais tu ne parles pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Émis des lois. Du moment que quelqu'un il rentre à la Mecque, il y a un prophète, il est expulsé et il est frappé, il est expulsé de la Mecque. Alors là, Abu Dhar, il a campé à l'extérieur de la Mecque, il a envoyé son frère Onéis. Onéis, il est rentré, il n'a pas réussi à avoir une information. Dès qu'il a commencé à poser des questions, il fut frappé et expulsé. Et il est revenu sans information vraiment claire à Abu Dhar. Abu Dhar lui dit, qu'est-ce que tu as ramené comme nouvelle? Il a dit, rien, j'ai pas pu avoir quelque chose d'intéressant. Et Abu Dhar, non satisfait de ce qu'a fait Onéis, son frère, il se met en route sur le champ. Il est rentré directement à la Mecque et là il est resté 3 jours. Enfin, durant ces 3 jours, Abu Dhar n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de nourriture, il cherchait. Durant ces 3 jours, il cherchait la vérité. Il dormait à la Mecque, dehors. Et il buvait l'eau de Zamzam. Il ne mangeait rien, il buvait l'eau de Zamzam. Il se rassasie. Et dès qu'il boit de l'eau de Zamzam, il se rassasie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ma'o Zamzam, ta'amu ta'im, wa shifa'u saqim. » Ma'o Zamzam, ta'amu ta'im. Ma'o Zamzam, c'est une nourriture pour quelqu'un qui a faim. Et c'est une guérison pour quelqu'un qui est malade. Abu Dhar, il ne fait que boire de cette eau, il cherche quelqu'un qui peut l'informer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il y a pression médiatique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde a le droit de parler sauf lui. Le soir du troisième jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il a frappé tout le sanctuaire, le haram. Les Quraysh, ils ont frappé de sommeil, quoi. Tout le monde dormait. Le haram était vide, le sanctuaire autour de la Kaaba était vide. D'habitude, il y avait toujours des gens. Mais là, il y avait tout le monde dormait. Abu Dhar, il regardait comme ça, puis il a vu deux esclaves. Deux esclaves qui sont allés du côté de Isaf et de Na'ila, Safa wal Marwa. Ils veulent accomplir certaines adorations de shirk là-bas et tout, entre Safa et Marwa. Ils veulent adorer Issaf, la statue de Issaf et la statue de Na'ila. Là, Abu Dhar, il a dit, bon, deux esclaves, ils ne vont pas me dénoncer. Je vais leur poser des questions sur Mohammed et tout, ils ne vont pas me dénoncer. Il est allé les voir, il a dit, qu'est-ce que vous savez sur cette nouvelle religion? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se dit prophète et tout? Ils lui ont dit, pourquoi t'intéresses-tu à cette nouvelle religion? Tu laisses Issaf, la statue de Issaf, tu laisses Issaf, Ina Ila, et tu suis une autre religion. Il n'y a pas pareil que notre religion, il a dit. Issaf, Ina Ila, n'était-il pas un fornicateur et une fornicatrice? Parce que l'histoire, on l'a dit au début de la Sira, c'est que Issaf et Na'ila, Issaf, c'était un homme yéménite, de Yémen, un jeune Yémen, et Na'ila, c'était une fille, une yéménite. Et quand Issaf, il a demandé au mariage Na'ila, son père, le père de la fille, il a refusé, se sont fixés rendez-vous à la Mecque, au cours du pèlerinage. Et profitant de l'insouciance des gens, ils ont commis zina près de la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala les pétrifiait, les a transformés en pierre. Mais avec le temps, comme actuellement, avec le temps, quand un fou,
Il est mort dans une région et tout, et on l'enterre après le temps. Les gens, ils adoraient sa tombe, ils mettaient des trucs, des dômes et tout. De même, ce qui se passe maintenant, pareil de ce qui s'est passé antérieurement. Ils ont commis le grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala a transformé les pétrifiés, les a transformés en pierre. Après, ils commencèrent à les adorer. Ils ont mis Issa dans Safa, Inna Ila dans le Marwa. Et ils les adoraient. Mais il y a des gens qui ont encore, c'est-à-dire, c'est resté dans leur tête cette histoire. Abu Dhar, il a dit, ils ont fait zina, vous les adorez. Alors là, les deux esclaves commencent à hurler, à crier, à se lamenter, et à courir. Ils veulent appeler quelqu'un pour se venger de Abu Dhar. Et ils rencontrèrent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Quand ils les ont rencontrés, il a dit, que vous arrive-t-il? Ils ont dit, quelqu'un à côté de la Kaaba, ils ont insulté nos idoles. C'est Mohammed d'habitude, sallallahu alayhi wa sallam, qui a insulté les idoles. Où est-il? Il est là-bas. Ils le rencontrèrent. Abu Dhar, Ante Mohammed? Ana Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je te cherchais et tout. Et il lui a pris son message. Enfin, il lui a dit le message quoi, qu'il est prophète d'Allah, qu'il est l'envoyé d'Allah. Et il lui a donné certains enseignements, il a lu certains versets du Coran, et Abu Dhar a embrassé l'islam. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puis Abu Dhar a dit une chose, il a dit, je veux t'accompagner, je veux rester avec toi. Le prophète sallam lui dit, ils vont te malmener, tu ne fais pas partie de la Mecque, tu es de l'extérieur. Là, la situation va s'aggraver si vraiment il découvre que tu es musulman, que tu es musulman. Il a dit, non, je veux t'accompagner, je veux apprendre, je veux... Et quand le prophète sallam, il a remarqué l'insistance de cet homme à chercher la vérité, il a dit, écoute, il a dit, demain je vais faire tawaf, et là, tu vas me suivre de loin. Tu me suis de loin, et quand tu me vois partir du côté de Safa, je vais rentrer dans une maison, tu me suis dans ces... Tu rentres après quelques minutes, ou certains temps, tu rentres. C'était secret. L'islam n'était pas secret. L'islam était connu. Il était connu, l'islam. Mais c'est ceux qui rentrent en islam, chacun suivant son iman, chacun suivant sa foi. Abu Dhar, il a suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rentré dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam, le premier centre de la da'wah, de l'islam. Et il passa 15 jours à apprendre les enseignements de l'islam. L'islam, c'était... il n'y avait pas de grandes prescriptions, il n'y avait pas les adorations, il n'y avait pas la salat, le saoum, le hajj. C'était juste, c'était tawhid, et se désavouer des autres idoles, et les bonnes valeurs. C'était simple. Il est toujours simple, l'islam. Il est toujours simple. Mais à l'époque, les prescriptions, les lois ne sont pas encore révélées. Là, après 15 jours, il demanda permission du professeur Aslam. Il lui demanda de rentrer chez lui, à Rafah, chez lui, dans la tribu de Rafah. Le professeur Aslam lui accorda ça. Et il est allé à la tribu de Rafah. Il a fait da'wah là-bas. 15 ans, il a fait da'wah. 15 ans. Il a prêché, il a montré aux gens la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est allé à Médine, il est rentré à Médine après le hijra, après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam après son hijra. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré de la Mecque à Médine. Avec la moitié de la tribu de Rafah. La moitié des gens, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam grâce à cet homme-là. Regarde, un homme, il peut guider beaucoup de monde. Quand vraiment son cœur, quand il est convaincu, quand il a l'éloquence, quand il a la sagesse, quand il a la patience, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aide, il le raffermit et les gens le suivent. Il fait que les gens l'aiment et les gens le suivent. Revenons à l'histoire de Quraysh. Quraysh, irrité par cette da'wah, les gens y rentrent. Cette da'wah, il gagne davantage des adhérents. Et là, les Quraysh, ils envoyèrent chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler, discuter avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Et là,
Ils lui répétèrent les offres qu'ils lui ont proposées, et le fait qu'il, s'il veut être roi, s'il veut ça, s'il veut l'argent. S'il veut... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne suis qu'un messager, Allah il m'a révélé un livre et m'a ordonné de vous porter de bonnes nouvelles et de vous avertir, c'est-à-dire bonnes nouvelles, le paradis, et de vous avertir, de vous mettre en garde contre l'enfer. Je vous ai transmis le message de mon Seigneur et j'ai été pour vous de bons conseils. Si vous acceptez de moi ce que je vous ai apporté, ce serait une fortune pour vous dans ce monde et dans l'au-delà. Mais si vous rejetez ce que j'ai apporté, alors j'attendrai patiemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge entre nous. Voilà, en résumé, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, les Quraysh lui ont dit, Ya Muhammad, jusqu'à maintenant, t'as rien ramené, t'as pas ramené quelque chose, un signe, un miracle. Il a dit, je vous ai apporté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit non. Ils ont dit, tu veux qu'on te croie? Tu veux vraiment qu'on te croie? Tu sais, chez nous la vie est dure, il n'y a pas d'eau. Les montagnes nous entouraient et tout. Demande à Allah qu'il repousse ces montagnes-là. Demande à Allah qu'il repousse ces montagnes et qu'il fait jaillir de l'eau à la Mecque et fait pousser des arbres et des jardins. D'aplatir notre pays, puisqu'il y a beaucoup de montagnes, d'y faire couler des fleuves pareils à ceux de la Syrie, de Cham et de l'Irak. Et des jardins. On veut voir des signes. Et le prophète sallam leur a dit, ceci appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, ceci appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ils lui ont dit, si tu veux vraiment qu'on te croie, ressuscite nos pères. Parce que tu crois, tu dis qu'Allah, il ressuscite les morts. Ils lui ont dit, ressuscite nos pères. Et parmi lesquels, le premier de nos pères que tu dois ressusciter, c'est Qusay ibn Kilab. On sait que Qusay ibn Kilab, c'est lui qui a rendu la fierté au fils d'Ismaël. On a parlé ça dans les cours précédents. Quand les Khuza'is, la tribu de Khuza'a, s'est attaquée à Jurhum, la mère d'Ismaël, Ismaël, il s'est marié avec une fille, la fille de la tribu de Jurhum qui est yéménite. Bon, cette tribu s'est attaquée à la tribu de Jurhum, et puis après, Qusay ibn Kilab, qui fait partie de la descendance d'Ismaël, il a ramené la fierté au fils d'Ismaël, et c'est lui qui est devenu le chef de la Mecque, etc. Il a une grande valeur chez les Arabes. Qusay ibn Kilab, il a eu pour fils... Abd Manaf, l'un de ses fils, c'est Hashim, c'est Shayba, c'est Shayba lui-même, c'est Abd al-Muttalib, le père de Abdullah, qui est le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qusay ibn Kilab, c'était un homme, digne et tout, ressuscite-le, comme ça on va, c'est lui qui va juger, si c'est toi tu as raison, tu n'as pas raison. C'est lui qui va lire le Coran, il va voir si toi tu mérites la prophétie ou non. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai pas été envoyé pour ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ressuscite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ressuscite. Si les signes ils appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Là ils ont dit, d'accord, écoute. Demande des faveurs au moins pour toi. Ne demande pas de faveurs pour nous, pour toi. Parmi ces faveurs, tu dis que les anges, ils descendent sur toi. Ben, fais descendre les anges. On veut voir les anges. Et demande à Allah d'envoyer avec toi un ange qui confirmera ton message. Il nous opposera. Un démenti, un ange qui dit, il confirmera que t'es l'envoyé d'Allah et qu'il dit que nous avons tort. Le prophète sallam il a dit, vous ne pouvez pas voir les anges. L'être humain est faible, il ne peut pas voir les anges. Il ne peut pas supporter de voir les anges.
Là, les Quraishides, ils ont dit, tu nous demandes de te suivre alors que tu es pauvre. Si tu étais riche, tu mériteras qu'on te suive. Demande à Allah de t'accorder des jardins, des palais et des trésors d'or et d'argent. Les palais, Kisra, il a les gens, ils le suivent, il a des palais d'or, il a une couronne qui pèse 90 kilos, il a Arsh, le lit où, sur lequel il s'assoit, il est plein de perles, il est plein d'or, il est plein de diamants. Demande à Allah qu'il te donne pareil. Comme ça, on te suit. Au moins, on suit un homme riche, fort et tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit la richesse, il n'a pas de valeur près d'Allah subhanahu wa ta'ala. La différence entre les gens, c'est la crainte d'Allah. Les plus proches d'Allah sont ceux qui craignent Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ce qui compte, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ils accentuèrent encore leur défi. Ils ont dit, bon, d'accord, tu nous menaces, tu dis qui nous menace, qu'on va mériter le châtiment terrible, on aura un grand châtiment et tout, le feu ardent, etc. Alors fais tomber le ciel en morceaux. Anzil alayna as-samaa'a kisafa. Fais tomber le ciel en morceaux sur nos têtes. Fais-nous cette menace. Fais cette menace. Agis. On veut voir des signes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est Allah qu'appartient de décider. S'il le désire, il le fera. Alors là, les Quraysh, ils ont dit, tu ne nous as rien apporté. Tu ne nous as rien apporté de toutes les choses qu'on t'a dit, des signes, mais tu n'as rien donné, tu n'as rien ramené. Toutes ces choses, tous ces signes-là, tu veux nous donner aucun signe. Là, c'est vraiment, c'est que tu es un menteur, ou c'est quelqu'un d'autre qui t'apprend. Il y a un homme au Yamama, qui vit dans la tribu du Yamama, il s'appelle Rahman, c'est lui qui t'apprend, parce qu'eux, ils ne croient pas en Rahman. L'un des noms d'Allah, il croit en Allah, mais il y associe les idoles, et ils disent, Rahman, c'est lui qui t'apprend, c'est lui qui t'a enseigné le Coran et tout, et toi, tu nous demandes de l'adorer. Tu nous demandes d'adorer cet homme. On ne va pas te croire. Wa idha qila lahum isjudu lir-rahman, qalu wa man ar-rahman? Qalu wa man ar-rahman isjudu lima ta'muruna wa yaziduhum nufura. Et quand on leur dit prosternez-vous devant le Rahman, ils disent qu'est-ce donc Rahman? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes? Et cela accroît leur répulsion. Dans Sourate Al-Furqan, Ar-Rahman Ar-Rahman, c'est celui qui a la plus grande miséricorde. Ar-Rahman, on ne l'attribue pas. Là, ça rentre dans l'unicité des noms et des attributs. Ar-Rahim, on peut l'attribuer à un être humain. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأَوْفُ الرَّحِيمِ. Allah dit sur le prophète qu'il est Rahim, miséricordieux envers les croyants. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, Allah est miséricordieux envers les miséricordieux. Ce nom-là, cet attribut-là, on peut l'attribuer à un être humain. Mais Rahman, on ne peut pas l'attribuer à un être humain. Ça, c'est la différence. D'accord ? Qul id'u Allah aw id'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Invoque Allah ou invoque ar-Rahman. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala par les meilleurs de ses noms, il exaucera vos du'as, vos invocations. Là, Abdullah ibn Umayya ibn al-Mughira, il se tint debout près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui lança ceci, il a dit, tout ce qu'on t'a demandé, tu étais incapable d'en réaliser quelque chose. Je ne te croirai que si tu voles dans le ciel. Tu voles dans le ciel et qu'il faut que tu atteignes le ciel. Il faut que tu atteignes le ciel et tu me ramènes un livre du ciel. Et je croirai toujours que tu es sorcier. Chouf le kofr quand il rentre dans le cœur de la personne. Même si tu voles dans le ciel jusqu'à atteindre le ciel et tu ramènes un livre, je ne te croirai pas. Je dirais que tu es sorcier. Et alors les Quraysh, ils poussaient loin. Ils poussaient loin leur demande. Ils ont dit, nous ne te croirons que si nous voyons Allah lui-même et les anges avec Allah.
on voit, il faut qu'on voit Allah pour qu'on te croie. Comme les Bani Israël. Arina Allah Azara, on veut voir Allah. Là, sur cette... Je répète toujours qu'on ne peut pas comprendre vraiment le Coran si on ne lit pas la Sira. Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette occasion, qu'est-ce qu'il a dit ? وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Et ils disent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de la terre pour nous une source. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. Ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous. أو يكون لك بيت من زخرف. Ou que tu aies une maison garnie d'ornements. أو أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. Ou que tu sois monté au ciel. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك. Et nous te croirons pas. Nous te croirons pas. Malgré ça, nous te croirons pas. Nous croirons pas à ta montée au ciel jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre pour que nous puissions lire. Pour que nous puissions le lire. وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ. Un livre complet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Je ne suis qu'un prophète, un messager d'Allah, un homme comme vous. La différence, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait descendre la révélation. D'autres versets ont été révélés à l'occasion. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir de nouvelles de ce dont ils se moquent. فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا ألم يروا. N'ont-ils pas vu? كم أهلكنا من قبلهم من قرن. Combien de générations avant eux nous les avons détruites. Combien de générations avant eux nous avons détruites. Ne prennent-ils pas comme leçon? ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ما لم نمكن لهم. Auquel nous avions donné pouvoir sur terre bien plus que ce que nous vous avons donné. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance. Et nous avions fait couler des rivières. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. Devant eux, ils ont vu couler des rivières à leurs pieds. Puis nous les avons détruites pour leurs péchés et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Ils sont détournés, Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. N'ont-ils pas eu de leçon? Ne peuvent-ils pas méditer de ce qui s'est passé aux générations qui les ont précédées? Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné pouvoir, leur a donné l'argent, leur a donné des trésors, mais ils se sont détournés et la conséquence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. La suite des versets. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Même si nous avions fait descendre sur toi, ô Muhammad, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs propres mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit ce n'est que de la magie évidente. Quelqu'un ne croit pas, il ne croit pas, même si les signes sont devant lui. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un ange?
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. C'est le raisonnement coranique, beauté du Coran. Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite, puis on ne leur eût point donné de délai. C'est-à-dire, si on fait descendre un ange, c'est la fin du monde. Hein? ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Si on fait descendre un ange, ça y est, ça aurait été affaire faite. Résurrection, ça y est, les gens sortent de leur tombe et le jugement. Continuité du raisonnement dans ces versets du Coran. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Et si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Si c'était un ange, si on aurait fait descendre un ange, on lui aurait donné la forme d'un être humain. Parce qu'un prophète, il fait partie, il faut qu'il soit comme un être humain, il vit la vie des gens. Voilà où... ولو أنزلنا ملكا ولو لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. Dans la sourate de l'Isra, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. Et rien n'empêche les gens de croire quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'ils disaient: Allah envoie-t-il un être humain messager? Ils s'étonnèrent du fait que comment Allah il envoie un être humain? Il aurait dû envoyer des anges et tout pour qu'on les suive. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, dit: s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأنزلنا عليهم ملكا رسولا. Si c'était des anges qui vivaient sur terre, ils marchaient tranquillement, ils mangeaient et tout, on aurait fait descendre un ange. Mais puisque vous êtes des êtres humains, on vous envoie un homme qui fait partie de vous. لَقَدْ بَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les croyants, qu'il leur a envoyé un homme qui fait partie d'eux, un Qurayshite. Un homme qui mange, qui se marie, qui pleure, qui rit, un homme comme eux. Un homme. La différence, c'est la révélation. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Dit Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseur et clairvoyant. Pourquoi le prophète sallam ne veut pas ramener de signes? Pourquoi il ne veut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener différents signes? Les Bani Israël, ils ont eu des signes, 9 signes. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 9 آيَاتٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Et nous donnâmes à Moussa 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsque leur vint et que Pharaon lui dit: oh Moïse, je pense que tu es ensorcelé. Ils ont cru. 9 signes. Le bâton, la main blanche étincelante, la mer qui se partage, qui se fond en deux, les malédictions sur Pharaon et tout. Tous ces signes, ils n'ont pas cru. Alors Pharaon dit sur Bani Israël: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. Chaque miracle que nous leur montrions était plus probant que son précédent. Isa alayhi salam, il n'a pas ramené de signes. Il a ramené beaucoup de signes. Mais ils n'ont pas répondu à son appel. Ils n'ont pas suivi. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas fait descendre des signes? Allah subhanahu wa ta'ala il répond: وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا. Nous avions apporté au Thamoud la chamelle, qui était un miracle visible.
mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons des miracles qu'à titre de menace. Thamoud, le peuple de Thamoud, le peuple de Saleh, alayhi salatu wa salam, le peuple de Saleh, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Saleh, pour qu'on te suive, pour qu'on te suive. Regarde, subhanallah, les mécréants, qu'est-ce qu'ils imaginent? Pour qu'on te suive, tu sors de ce rocher-là, une chamelle. Puis l'autre, il a dit, grosse, grande chamelle, une chamelle géante. Puis l'autre, il a dit, rouge, une chamelle rouge. Puis l'autre, il a dit, une chamelle qui est enceinte. Et que son enfant, il a 10 mois enceinte. Regarde, comment il plaisante, comment... Subhanallah. Allah, et Saleh, alayhi salatu wassalam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, et la chamelle, il est sorti. Le rocher, il s'est fondé en deux, et la chamelle est sortie géante. Et avec tous les signes, avec toute la description, les conditions qu'ils ont posées, c'était là. Et pourtant, ils n'ont pas cru. Ils sont allés loin jusqu'à la blesser, jusqu'à vouloir la tuer, jusqu'à tuer Saleh, alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas cru. Les signes devant eux. Ils ont vu de leurs propres yeux. Alors là, après cette discussion, Jibril, alayhi salam, l'envoyé du ciel, est venu voir le prophète, alayhi salam. Il lui dit, Allah te donne le choix. Si tu veux, tu patientes, tu les supportes. Si tu veux, on leur enverra tout ce qu'ils ont demandé. Tout, en détail. Tout. La Mecque se transformera en paradis terrestre, tout ce qu'ils ont demandé. On leur enverra ça. Mais s'ils démentissent, s'ils renièrent, ils seront anéantis entièrement. La Mecque sera anéantie. Tout ce qui se... Pareil que les autres communautés qui nous ont précédés. Quand ils n'ont pas obéi, le déluge, At-Tawfan, mimma khati'atim ughriqu fa udkhilu nara, à cause de leur cherque, à cause de leur association, ils ont été noyés et directement en enfer. Subhanallah. Le peuple de Ad, le peuple de Thamoud, ils ont vu les signes, ils ont renié. Alors si ton peuple, cette communauté, après avoir vu les signes et qu'il désobéit et qu'il renie, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera subir le plus grand châtiment. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit, Asber, je patiente. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sortira de leur propre, d'eux-mêmes, il sortira des hommes qui disent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Je patiente, il a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça aurait été la fin si Allah subhanahu wa ta'ala leur envoyait des signes. Alors, quand toute tentative échoua, les Quraïchides, ils envoyèrent là avant. C'est-à-dire, j'ai voulu évoquer beaucoup de versets comme ça pour vraiment comprendre la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les accusations, ils ont dit que c'est un homme qui va au marché, qui mange comme nous on mange. Donc comment ça se fait que lui, il soit le prophète? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا. Et ils disent, qu'est-ce donc ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Qu'en a-t-on fait descendre vers lui un ange qui était avertisseur en sa compagnie? Et Allah il répond, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Dans un autre verset, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je vous ai ramené le livre d'Allah, Allah il dit, ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre, qu'il leur soit récité, il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. On n'a pas besoin de prodiges, on n'a pas besoin qu'un cheikh ou un wali il vole dans le ciel.
il nous suffit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous suffit comme guide. On n'a pas besoin de quelque chose concret, de signes et tout, comme ils disent, karamates, tout ce qui s'en suit. Bien que les karamates existent chez les grands walis, ça existe. Et ça a existé à l'époque des compagnons, et même après. Mais nous, ça nous suffit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitab. Ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre? Et sur le fait qu'ils ont dit, tu ressuscites Qasay ibn Kilab, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Cela, c'est-à-dire le Quraysh, cela disent, il n'y a pour nous qu'une mort, la première, et nous ne serons pas ressuscités. Faites donc revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. Dans Sourate Ad-Dukhan. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà quand ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites revenir nos ancêtres, mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a pas dit qu'il va ressusciter leurs ancêtres ici-bas. Alors, de leur vivant, Allah leur a dit, le jour promis, yom al-mashhud, yom al-qiyama, pas maintenant. C'est-à-dire que leur défi, il n'est pas dans sa place. Après cette discussion, cette grande discussion entre le Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essayèrent toutes les tentatives, toute tentative échoua, et ils ont dit, appelons Nadr ibn al-Harith. Nadr ibn al-Harith, il est de Quraysh, mais il vit à Taif, chez les Taqif, la tribu de Taqif. C'est-à-dire une tribu à l'extérieur de la Mecque. Et Nadr ibn al-Harith, il a beaucoup appris des contes anciens, des légendes. Il a beaucoup voyagé, il est allé en Perse, il a beaucoup chez les Romains et tout, et il a appris beaucoup de leurs histoires. Et il est réputé un bon narrateur. Ils ont dit, bon, ils lui ont dit une chose. Ils ont appelé Nadr ibn al-Harith, ils lui ont dit, écoute, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit autour de lui des gens, et qui commence à prêcher, commence à réciter le Coran, toi tu t'assois ou bien après lui, ou bien tu t'assois près de lui, toi aussi tu racontes tes histoires. Lui il raconte ses histoires, et toi tu racontes tes histoires. Effectivement, au début, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens, Nadr ibn al-Harith, il appelle aussi de son tour les gens, il leur raconte des histoires et tout, sur les Kisra, sur le Qaisar et tout, les contes anciennes. Et puis après, il dit, qu'est-ce qu'il dit à la fin quand il termine? Il dit, par Allah, Mohammed n'est pas meilleur orateur que moi. Il ne fait que raconter des histoires. Et moi, je raconte des histoires pour essayer d'écarter les gens du prophète. Après, les gens commençaient à se lasser de ces histoires. Oui, la parole d'Allah, oui, Mohammed et tout, commençaient à se réunissaient autour du prophète. N'importe quelle parole, on peut se... De n'importe quel écrivain, tu te lasses, mais de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne se lasse pas. Sur Nadr ibn al-Harith, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il rapporte, il dit que dans tout le Coran, il y a 8 versets où c'est évoqué contes anciennes. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِرُ الْأَوَّلِينَ. Quand nos versets lui sont récités, il dit des contes d'anciens. Ça, c'est un verset du Coran. Et c'est répété plusieurs fois. إِنْ هَذَا قَالُوا لَوْ شِئْنَا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِرُ الْأَوَّلِينَ. Si nous avions voulu, nous aurions fait pareil, nous aurions écrit pareil. Ce n'est que des contes d'anciens. À chaque fois que c'est évoqué contes anciens, c'est une réponse à Nadr ibn al-Harith, tel que rapporte Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Là, la tension, il a monté d'un cran et tout, et Abu Jahl n'a pas pu supporter la da'wa du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a juré par l'At ou l'Uzza que s'il voit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que s'il le voit, il va mettre son pied sur sa nuque et il va écraser son visage, le visage noble du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par terre. Il a juré par l'Aït ou l'Uzza. Alors là, il a profité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à côté de la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude, quand il se prosterne, il reste longuement prosterné pour dua. Et là, Abu Jahl, il a voulu profiter.
il s'est rapproché du prophète sallam pour mettre son pied sur sa nuque. Et là, il commença à reculer. Il commença à protéger son visage et tout. Le Qurayshid le regardait, qu'est-ce qui se passe? Puis il a dit, vous avez rien vu? Il a dit, je n'ai rien vu. Vous avez rien vu? C'est pas possible. J'ai vu entre lui des fossés de feu, j'ai vu entre lui des ailes, j'ai vu entre lui de la terreur. Il dit, nous, Kharraf, tu t'es ensorcelé, c'est pas possible, nous on n'a rien vu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que s'il s'est rapproché davantage de moi, les anges l'auraient déchiqueté en morceaux. Chaque ange, il aura pris un morceau de Abu Jahl. Alayhi la'natullah. Après toute cette tentative pour éviter, pour étouffer cette da'wa d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nombre de disciples ne cesse de s'accroître. Alors là, les Quraysh, ils décidèrent d'organiser une vaste persécution contre ceux des adeptes qui n'avaient personne pour assurer leur protection, surtout les esclaves. Surtout les esclaves. Wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.